Après avoir été accusé d'infidélité par Alicia, Bruno, marié au premier regard, se défend. La chaleur monte à l'approche de l'été, mais aussi dans les esprits pour deux anciens candidats de mariés au premier regard. Mardi, on apprenait les raisons de la séparation d'un couple emblématique de l'émission de M6, Alicia et Bruno. Si est-il la jeune femme qui prenait violemment la parole sur les réseaux sociaux, dénonçant notamment les infidélités de son désormais ex-mari, j'y ai cru. J'ai tout donné et tout essayé pour que ça fonctionne. Avec lui, elle avait notamment décidé de se marier, mais également d'aménager ensemble et de partir en vacances, mais si est-il peu après que la situation s'est gâtée pour le couple, quand je vois que cette personne a dit qu'elle m'a respecté, qu'elle a tout donné. Quand on trompe et qu'un plus, derrière, on continue de sortir en boîte, qu'on découche, qu'à 7h du matin, il n'y a personne, côté de moi, je ne sais pas où la personne a dormi et qu'elle refait ça encore une fois, si est-il à dire découcher deux fois. J'espère que cette personne va pouvoir se remettre en question et mieux gérer ses prochaines relations. Bruno revient sur les accusations d'infidélité d'Alicia quelques heures après ce message pour le moins sans équivoque. Bruno a logiquement pris la parole à son tour, remerciant ses soutiens, navré de ne pas pouvoir tous vous répondre, merci pour tous vos messages, si est-il une période compliquée, si est-il vrai. Le jeune homme ne souhaite cependant pas revenir sur les accusations dont il fait l'objet, je ne chercherai plus à me justifier malgré que des jugements complètement infondés soient dits à mon sujet. Vraisemblablement à l'intention de son ex-femme Alicia, Bruno conclut, apaisons notre cœur et la vie est belle. Le futur s'annonce radieux. Bruno en couple avec une autre candidate de mariée au premier regard le futur, justement, on le connaît déjà pour Bruno qui a officialisé sa relation une autre candidate de mariée au premier regard, Jennifer. La jeune femme en avait fait l'annonce lundi 26 juin, personnellement, j'avais rencontré quelqu'un il y a quelque temps et je sortais d'une rupture amoureuse. Je n'avais pas prémédité le fait de revivre une relation aussi rapidement, ni avec Bruno ni avec personne d'autre. Bruno venait également de se séparer d'Alicia, nous étions célibataires tous les deux. Cela nous est tombé dessus, nous n'avions rien prévu. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, nous assumons totalement notre relation. Nah.